La mode du trail se développe énormément de nos jours. Est-ce que c'est un bien ou un mal pour notre pratique? Je ne sais pas, je pense que c'est un bien. Pour autant, si c'est bien géré et bien encadré. Ce qui m'attire dans le trail, c'est vrai qu'on découvre des paysages absolument fabuleux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on fait du trail, on est encadré par une organisation et puis on n'irait pas forcément s'aventurer à certains endroits seul. Donc on peut vraiment découvrir de magnifiques paysages en toute sécurité. Je me suis mis à courir en descendant pour gagner du temps. J'avais toujours envie de découvrir la montagne. J'avais toujours envie de partir à l'aventure, de voir de nouvelles choses. Et en fait, je me suis mis à courir en descendant parce que je voulais gagner du temps, parce que je voulais toujours en voir plus, je voulais toujours découvrir de nouvelles choses. Et puis voilà, après j'ai discuté avec un ami, un collègue de travail en fait, et puis il m'a dit que ce que je faisais en fait, ça avait un nom, c'était du trail. Oui, mon entourage me comprend, en tout cas ma femme. Il n'y a aucun souci avec ça. Après, c'est clair qu'au niveau des collègues de bureau, de l'entourage, ils me soutiennent, mais ils ne comprennent pas forcément pourquoi je m'inflige ça. J'essaye de leur expliquer que pour moi, ce n'est pas une corvée, c'est vraiment du plaisir. Je dis beaucoup que je suis un peu malade, que je suis un peu fou de me lancer comme ça. Et puis. Voilà, mais moi je crois un peu à mes idées et je sais que je suis un peu fou sur les bords, et puis on me le dit, donc ça doit sûrement être vrai, mais j'ai envie de croire en mes rêves et puis en ce que j'ai envie de faire. Sans se mettre la pression du chrono ou quoi que ce soit, toujours le plaisir de la découverte et toujours essayer de s'épanouir sans souffrir. Je pense à l'enthousiasme et ouais, la pression qu'on se met soi-même un petit peu aussi. On est tous un petit peu compétiteurs dans l'homme. Mon objectif, comme je ne cours pas très vite, c'est pour aller jusqu'au bout. Ce que j'appréhende le plus, c'est de nouveau d'avoir un coup de mou. Et puis d'avoir personne quoi, pour me tirer, pour me motiver. Et puis je pense que le mental, il va beaucoup jouer là. Ça va être assez dur. L'expérience que j'ai, j'aborde différemment les épreuves. J'ai la distance dans les jambes, la durée dans la tête. Après, c'est les conditions de course qui vont faire que l'événement va bien ou mal se passer. I'm ready. I'm looking forward to it. Serein, tout va bien se passer, un pas devant l'autre. La ligne d'arrivée qui m'intéresse. Le temps, ça n'a aucune importance. Bon, je vais prendre du plaisir sur les 10-15 premières heures. Puis après, je vais sûrement regretter d'être là. Puis une fois à l'arrivée, le lendemain, ça sera juste super. Quoi. Si on n'est pas un peu taré de faire ça, si on se pose toujours un petit peu la question avant de commencer, mais il ne faut pas trop y réfléchir, je crois. Il a jamais mal au ventre avant de partir d'une course. C'est quoi qu'il mange là? C'est de la brioche. Brioche aux pralines. Ah ouais. Brioche aux pralines que maman a acheté. Vous voyez? Si, bah après moi j'en fais aussi donc. Ouais, elle fait pire, hein, faut pas le dire. Elle a fait les marathons de l'Everest, elle a fait l'UTMB, elle va faire le tour du Mont Rose. Moi j'essaie juste de la suivre en fait, j'ai pas le choix.
Quand j'étais né, c'était prévu que je reste dans un fauteuil roulant, même pas pour marcher. Et par l'instant, j'avais envie pour faire quelque chose contre la nature. Mes collègues de travail, oui, savent que je fais un peu de course et ça, et puis je trouve ça aussi assez impressionnant. Mais après, c'est, comme je dis, c'est à mon niveau, hein. Je ne suis pas professionnelle, d'ailleurs, je ne fais pas des temps records. C'est vraiment pour mon plaisir, puis sortir ma zone de confort, et puis surtout partager quelque chose avec eux. Ouais, comme j'ai dit avant, c'est vraiment une histoire d'amitié. Mon petit frère handicapé depuis très longtemps, et c'est vrai que j'ai toujours eu, quand je courais, mon petit frère dans le cœur, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me booste en me disant que lui, il n'a jamais pu faire de sport, il n'a jamais pu faire quoi que ce soit, et c'est vrai que le fait de pouvoir courir et de faire des choses qui sont extraordinaires, ben je l'ai toujours au fond de mon cœur et je me dis que ça pourrait me refaire partir de moments difficiles. Pour moi, je me suis lancé dans le trail parce que j'avais vraiment l'envie de pouvoir profiter à fond de la nature et de la montagne, un peu le côté découverte. J'ai fait mon service national dans l'armée française dans les années 90. J'étais dans les troupes de montagne, l'artillerie de montagne. Du trail, ça fait une quinzaine d'années. On a commencé la montagne avec mon mari parce qu'il s'est fait opérer d'une hernie discale il y a quelques années en arrière et il a dû faire la rééducation en commençant par marcher en montagne. Brancher. Premier ravitaillement, 12 km. Parfait. On est au 10e kilomètre. Il reste 100. On est déjà bien mouillé. Hein. Alors l'ambiance au premier poste est super parce qu'ils sont encore frais, on va dire. Donc ils nous remercient, ils sont contents d'être là. On leur présente des tartines, donc ils sont tout contents. Alors en tant que bénévole, on trouve, on vient surtout c'est pour l'ambiance. On trouve que c'est sympathique. Et puis. Rendre service, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Nous, on est les chronométreurs, en fait. Donc, on chronomètre la course, tout simplement. Bon, c'est tout un système informatique avec des tapis de sol. Chaque coureur a une puce RFID, enfin, deux puces RFID, une sur son dossard, une sur son sac à dos. Le système bip à chaque passage et les temps sont enregistrés et envoyés sur un système informatique qui relaye toute l'information. Là, aujourd'hui, je suis responsable du poste de la foulie. Je m'occupe de la coordination de l'ensemble des bénévoles et puis de faire en sorte que tout le départ de la course de l'X traversée en fait, se passe correctement. Et je suis accompagné d'une quarantaine de bénévoles qui viennent là pour la plupart depuis plusieurs années. On y est, c'est le grand jour, ça y est, un peu excité, mais ça va bien se passer, il fait beau, super météo, bien dormi, je me sens prêt ouais, pour cette X traversée. C'est un moyen de m'évader, un moyen de pouvoir me sentir voler, de me sentir seul en montagne et de pouvoir m'évader vraiment dans mes pensées et dans mon élément qui est la montagne et la nature. C'est une aventure face à soi-même, mais toujours en occultant la souffrance. S'il y a de la souffrance, on n'a aucun intérêt à être là.
participer à la X-Traversée, déjà, il faut être endurant et avoir vraiment un bon physique, un bon entraînement. C'est déjà le premier point. Il faut être fort mentalement, je pense, parce que quelques kilomètres, ça va, mais si on est un peu entamé à la mi-course, il faut aller puiser dans ses réserves mentales pour pouvoir continuer. Ensuite, je pense qu'il faut bien se connaître. Ça, c'est un point très important. Si on ne se connaît pas, on risque de partir trop vite et puis de ne pas pouvoir finir la course. Et bravo! Super! Mais ça va, tout va bien. Et t'as vu le temps? C'est trop magnifique. Là, on va kiffer toute la journée. La montagne, c'est extraordinaire. Et c'est beau. Et puis les gens, ils sont sympas. Et j'adore le Valais. Donc, quoi de plus? Nous sommes sous les lacs des Ferrets, c'est super et on a beaucoup d'énergie pour continuer. C'est clair qu'il faut se préparer, on ne fait pas 8 ans de kill comme ça. Oui, c'est toujours appréciable d'avoir des gens au bord qui encouragent et ça fait toujours plaisir. Bravo, bonne course! Ça remonte un peu le moral des fois. Jusqu'à l'arche d'arrivée, allez! Ah, je suis raide! J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie là. Bon, il reste une heure, ça va. Oui, la montagne, c'est très dur. On part un petit peu dans l'inconnu. En Belgique, nous, on n'a pas de montagne, donc c'est une première, c'est l'altitude. Guide de montagne, ça veut dire que je vais récupérer ceux qui se perdent, mais ils se perdent pas. Je trouve qu'on découvre aussi de belles personnes, on fait beaucoup de partage, on a beaucoup de connaissances. Et puis c'est vrai d'ailleurs qu'il faudrait inciter un peu plus de gens féminines, de femmes à venir sur les trails, parce que c'est un peu dommage, je trouve qu'elles se mettent un petit peu beaucoup de barrières, parce qu'elles osent pas. Et puis elle devrait vraiment découvrir, et je suis sûre qu'elle serait surprise de leur capacité, comme moi j'ai été surprise des miennes. Si, là c'est ce que je suis en train de me dire là maintenant tout de suite, si. Quelle idée m'a prise. Puis à l'arrivée, si j'arrive jusqu'au bout, je pense aussi, on verra. Non, c'est pas un marathon ici, c'est plus lent, c'est la distance marathon, mais ça va faire 8-9 heures, donc c'est le double d'un marathon à plat. Donc c'est une autre expérience. Bah là, déjà, c'est l'ambiance qu'il y a au départ et tout, et avec ce beau temps, ça va être juste magnifique. Ah, Panacea, c'est mon rêve, ouais. C'est chez moi. C'est vrai que j'ai vraiment cette petite voix dans ma tête qui me dit que mes limites, j'arrive à les repousser et je m'entraîne pour. Et je prends beaucoup de plaisir à ça, même si c'est pas toujours facile. Et j'aime vraiment beaucoup me surpasser, c'est ce que je préfère de cette discipline. La morale, quoi. C'est dur, mais c'est tellement beau que on travaille plus avec la tête qu'avec les jambes. Vider. Donc on essaie d'aller d'étape en étape en se disant que ça va revenir. L'abandon qui me trotte dans la tête depuis un moment, alors je ne veux pas trop traîner ici. Ouais, je suis pas très bien. Je prends pas un grand plaisir. Pourtant, il y a tout, donc c'est que...
Moi, je suis le gardien de la cabane panossière. Ben, ici, tout se passe bien, on a les premiers coureurs, donc on va voir sur la distance. C'est pas plus dur, mais quand on habite ici, c'est moins intéressant. Quoi. Déjà qu'ici, c'est incroyablement beau, mais ça reste chez nous. Alors la chose dans la forêt, ça va me casser les bonbons, je crois. Non, c'est pas vraiment mon sport, pour être honnête. Non, ça va, merci. Je vais aller à deux à l'heure, je vais être content, ça m'agace un peu. Bravo! Désolé, je suis pas très positif. Je me traîne depuis une heure et je me suis encore pas fait dépasser, je dépasse des gens. Ça joue pas. Quoi. Que du bonheur, super bénévole, on est content quoi, les gens vont bien. On espère que ça suit encore pour les 20 prochains kills, je crois. Ouais, c'est ça, encore 20 kills. Alors ici, on est à la cabane panossière et puis moi, je suis la chef de poste du ravitaillement. On est ravis de pouvoir côtoyer tous ces paramètres dans une course et se faire du mal en se faisant plaisir. Ok, comment tu t'appelles ? Camille. Camille, ok. Bon, la course pour Camille s'arrête là. On d'accord. On va organiser, on va le rapatrier. Sur papier, on a l'impression que c'est plus court que la réalité, clairement. Là, les derniers mètres, il faut les tenir. Ouais, alors là, on est dans les premiers, donc s'ils sont speed, hein. Ils veulent vite monter, vite redescendre. Donc là, ils n'ont encore pas tellement eu des grands ravitaillements. Ils passent assez vite, ils remplissent les gourdes et puis ils redescendent. Ils savent qu'ils ont une longue descente là, il y a 1000 mètres, passé 1000 mètres. Ouais. Je suis au bout du scotch. C'est très dur. Il y a des mojitos au ravitaillement là. Un truc qui... Dur. Très dur. Très dur. C'est dur. Je sais pas comment dire d'autre. Elle est longue. Mais non, c'est chouette. C'est hyper joli. Et puis, c'est un marathon, donc il faut que... Ça signifie bien marathon, quoi. J'en peux plus, gros voiture pas. La dernière montée là, ça m'a littéralement cassé. Horrible, c'est trop chaud au début, mais là c'est bon, moi je vais aller boire la bière. J'ai bien géré cette course, mon problème c'est que je pars chaque fois trop vite. On peut remettre un petit peu musical si tu veux bien. Je les ai un peu laissé partir, j'étais à mon rythme et puis je redoutais à partir de la folie parce que l'année passée à la folie j'ai eu vraiment un terrible coup de mou et puis là j'ai pas eu de coup de mou. C'est cool, c'est cool.
une belle course, je suis content. Magnifique. Quand j'ai fait un de mes premiers UTMB, Ludo, l'expliquant, me demandait, j'étais tout jeune, il me dit pourquoi tu fais ça? Je dis pas, j'ai du plaisir à faire ça et j'aime ça. J'ai eu du plaisir aujourd'hui, puis c'était juste magnifique. Première fois où j'ai vraiment acquis la notion de dépassement de soi, vraiment aller au bout des choses. Et l'arrivée, les émotions que procure l'arrivée, par exemple, c'est vraiment, c'est indescriptible. J'ai entendu parler auparavant de trailers qui ont vécu des hallucinations, peut-être de perdre son sac ou d'avoir l'impression que des choses se passent, de perdre une chaussure ou des choses vraiment bizarres. Vraiment, la fatigue est vraiment importante, je pense, pendant la nuit. Et on verra comment j'apprends comment gérer ça et comment je vais faire face à si ça m'arrive à ce genre de choses. Quand on arrivait à Verbier, il y avait bondé de monde à l'arrivée, il faisait nuit. On arrive là, puis on se dit, mais purée, on a l'impression, je sais pas, d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Il y a tout le monde qui nous applaudit. Enfin, rien que d'en parler maintenant, je suis émue. Je trouve que c'est, même que, si je peux dire ça un peu crûment, même quand on en a chié, on arrive là, on se dit, waouh, rien que pour ça, ça valait la peine, quoi. C'est exceptionnel. A évolué, alors je vais peut-être un peu tacler, c'est que malheureusement on commence à avoir des consommateurs, des gens qui viennent, qui payent et qui pensent que tout leur est dû et qui ne participent plus. C'est encore une minorité, mais il faut pas que ça devienne une majorité. Et j'ai envie de garder ce que j'ai toujours connu, des gens qui sont là, qui participent avec nous, qui arrivent sur la ligne, qui discutent avec nous, qui discutent avec les bénévoles et qui prennent du plaisir et pas de la consommation pure et dure comme on peut le voir déjà maintenant partout dans le monde.